Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage, enfin un tirage un petit peu exceptionnel, puisque je vous propose un tirage sur la période des 24 et 25 décembre 2023, ce qui correspond à la journée du réveillon, au réveillon et à la journée de Noël. Voilà, donc le tirage que je vous propose, c'est un tirage signe par signe et nous allons étudier maintenant le signe de la balance avec un tirage en trois cartes. On va avec trois oracles différents, le langage secret des couleurs, les pensées célestes et le Queen of the Moon. Et pour terminer, eh bien, je vous proposerai une petite carte d'affirmation positive. Voilà. Allez, on y va pour le tirage en lui-même. Alors, la méduse orange. La force. Et la résilience. Bah, décidément, cette carte, elle ressort énormément dans les tirages que je fais là. On sent que la période de Noël est propice vraiment à la réconciliation, au don de soi, comment dire, vraiment on est dans de très très belles énergies, et d'autant plus belles pour vous mes amis Balance, qu'on sent que, bah oui, vous sentez fort et forte dans cette période, vous sentez équilibré, vous avez... C'est comme si vous aviez vous étiez comment dire, en période de transition, de fin de quelque chose. Et en tout cas, vous avez vraiment envie de fêter cette fin d'année en beauté. Alors, peu importe hein, qu'elle se soit passée bien ou mal, mais on sent que vous avez vraiment envie de passer ces fêtes, comment dire... de manière apaisée, de manière sereine, hein. Voilà, là, pour moi, la méduse, elle fait vraiment... c'est un déclic, c'est une lumière, c'est... comment je pourrais vous dire ça? Parce que on me dit plein de choses, là, en fait. L'illumination, c'est pas vraiment ça. Évidemment que vous êtes dans la lumière, enfin, vous vous sentez bien, en fait. Vous vous sentez bien, c'est ça. La sensibilité, c'était plus la sensibilité, comment dire, l'empathie. Voilà, c'est ça. On est plus dans vraiment de belles énergies, de bienveillance, de tolérance, vraiment tout ce qui colle avec la magie de Noël en fin de compte. Hein. Et on sent que vous avez peut-être fait du chemin hein, pour arriver jusqu'à ça, hein, jusqu'à trouver cette espèce de sérénité pour Noël, de vous retrouver en famille, voilà. On sent que ça vous fait plaisir d'être entouré des vôtres, hein. Voilà, de pouvoir profiter des gens, c'est peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, ou vous savez peut-être aussi que ce sont des gens, il peut y avoir des personnes âgées parmi vous et que c'est peut-être un des derniers Noëls que vous fêterez avec eux, mais en tout cas, on voit que vous avez vraiment ce souhait-là hein, de partager ce moment avec des gens... Pour vous, vous êtes conscient du temps de ce temps-là, en fait, de ce que vous allez vivre à ce moment-là. Hein. Vous êtes conscient, consciente que c'est bien d'être apaisé pour pouvoir profiter aussi. Il y a une notion de pardon dans la résilience, toujours. Hein. Donc voilà, il y a ce côté. Je me sens suffisamment forte pour pardonner, comment dire, pour aller de l'avant. Hein. Les méduses, elles ne restent jamais, comment dire, elles ne stagnent pas, les méduses. Hein. Elles sont toujours en mouvement, même quand elles sont à l'arrêt, on va dire.
avec leurs tentacules. Enfin, voilà, elles restent. Et donc, on sent que vous avez. Ça arrive peut-être après une période difficile aussi, hein, une période. Vous y avez peut-être beaucoup réfléchi avant d'accepter d'être en famille, d'accepter une invitation aussi, hein. Mais on voit que vous le faites de manière complètement éclairée, hein. Vous allez en toute connaissance de cause. Et vous connaissez les enjeux aussi, hein, de cette comment dire, de cette période. Voilà, donc il y a certainement une réconciliation aussi quelque part, hein, qui peut se glisser avec une ou des personnes. Mais voilà, c'est plus là, on est plus vraiment dans le sentiment, dans le ressenti personnel, hein. Vous vous sentez fort et forte pour affronter le monde, j'ai envie de dire. La période de Noël jusqu'à n'était peut-être pas une de vos périodes favoris. Et favorite, d'ailleurs, on dit, je sais plus, bref, on s'en fout. Mais là, on sent que vous reprenez vraiment confiance. Pour moi, c'est la confiance pour vous, pour votre tirage. Vous avez de nouveau confiance en vous, vous pouvez faire confiance aux autres. D'accord? Et passer de très bonnes fêtes avec les personnes, avec des personnes de votre famille, de votre entourage. Revoir aussi du monde parce que si vous venez dans une région que vous avez quittée il y a très longtemps, vous n'allez pas forcément revoir que la famille. Donc, voilà, on est vraiment, c'est une période faste pour vous, une période douce, hein, et c'est très bien, c'est vraiment très bien. On sent que, et puis ce qui va vous, il y a le sentiment de se nourrir aussi des gens. Le fait de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ça va vous rendre vraiment, ça va vous faire du bien. Surtout si vous étiez loin des vôtres. Il y a cette notion aussi de. Je retrouve les biens, j'ai besoin de me ressourcer auprès d'eux. Hein. J'ai vraiment besoin de me ressourcer. L'eau, hein, les méduses naviguent dans l'eau. Donc voilà, il y a ça, cette notion-là de j'ai vraiment besoin, c'est presque vital, hein, pour retrouver une certaine force, hein, une certaine énergie. Voilà. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est un très beau tirage également pour vous, mes amis Balance. Donc je vais maintenant vous retourner la carte de l'affirmation positive. Je mérite toutes mes réussites. Je mérite toutes mes réussites. Voilà. Hein, ben, le chemin que vous avez fait pour en arriver là, ben, vous l'avez largement mérité. Vous avez fait certainement beaucoup d'efforts, vous avez certainement pardonné ce qu'il fallait pardonner, vous avez pris la bonne décision en vous rapprochant des personnes que vous ne reverrez peut-être pas l'année prochaine. Ça, personne ne peut le savoir, mais c'est vrai que ça peut faire partie des motivations. Et en fait, ben, vous avez tout gagné, quoi. C'est exactement, vous avez la bonne attitude à avoir, en fait. Hein, et là, vous êtes vraiment méritant. D'accord? Donc, très très joli tirage pour vous, mes amis Balance. Je vais vous souhaiter donc un très bon réveillon, une très belle journée de Noël et je vous dis à très vite. Bye bye!